Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du CPD, le Conseil préfectoral de développement de Kindia, nous avons réclamé et obtenu une place. Le CPD, le Conseil préfectoral de développement, c'est une instance qui discute tous les problèmes de la préfecture. Lorsqu'on a demandé, lors de la première rencontre, on dit, ah, vous organisez des rencontres de haut niveau pour parler la vie de la préfecture. Vous laissez de côté les producteurs qui représentent 70% de la population de la préfecture. Lorsqu'on les a dénoncés à la radio, ils ont suivi cela. Ils ont accordé une place. Donc, cette place, aujourd'hui, toutes les rencontres que le CPD tient, nous sommes invités. Aujourd'hui, cela a fait que même les rencontres ordinaires, même le conseil préfectoral tenu par le préfet à l'intention des sous-préfets et les chefs de service préfectoraux, on nous invite. On nous invite. Donc nous, on a dit qu'aujourd'hui, nos relations commencent à s'améliorer, le pouvoir public commence à nous tenir en considération. Si tu vois quelqu'un t'inviter à ces rencontres, c'est parce qu'il est convaincu que tu peux apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, nous avons la capacité de leur dire attention, ce que vous faites, c'est pas normal. On a la chance d'avoir l'existence d'une radio rurale de la place, c'est la radio des 100 voix. Donc, qui dit 100 voix, c'est les producteurs. Donc, nous avons la possibilité de nous exprimer librement. Et vous savez, l'autorité a peur parce que cette radio est écoutée et dans la préfecture et au niveau de la capitale à Conakry. Donc, tous les décideurs, les ministres, les directeurs généraux, ils sont censés écouter cette radio. Donc, nous exprimons en langue nationale, en langue du terroir. Donc, ce qu'on dit est suivi et écouté par tout le monde. Donc, ils ont peur de leur place. S'ils ne font pas des choses comme ça se doit, on les dénonce. Si c'est suivi à Conakry, ça fait problème. Donc, aujourd'hui, nous disons que ça a un peu changé. Si hier, on ne nous invitait pas à des rencontres de haut niveau, aujourd'hui, on nous invite. Et si on ne nous voit pas, on nous interpelle. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet.